Yeah, this is good for the general ranking. The leg was very interesting with a lot of transition, different condition of wind, different weather, very long doldrums. So it was interesting to come back in the professional race for me in this leg. And the crew, the team was very strong on board, and they managed very well the boat, the speed of the boat, and it's very tight with for sure with all the fleet, and all the decision has to be very smart to create a difference. We did some very good move and some bad move also, but at the end, second, I think it's a good place. Une étape qui de toute façon allait être intéressante tactiquement avec beaucoup de transitions météo, des conditions météo complètement différentes. On est quand même parti quasiment en bordure des 40e sud et on arrive à Hong Kong au-delà des alizés du Pacifique. Donc on a eu toutes les conditions possibles. C'est presque encore plus intéressant que la deuxième étape qui allait en Afrique du Sud. Donc c'était la première fois que je faisais dans ce sens aussi. Et on a eu plein de rebondissements, comme on peut l'avoir sur des flottes très serrées avec des équipiers de très haut niveau sur tous les bateaux. Donc ça se bagarre quand même très très bien. Et Scully Wog, lui, a pris une route, anormale dans le poteau noir. Et quand ça marche vraiment bien. Ça veut dire qu'il était un peu dans une autre course par rapport aux autres. Et puis nous, on a pris une route un peu plus conventionnelle avec Vesta, Saxo Nobel, Maffrey qui petit à petit s'est fait lâcher qui a pu être dans le match avec nous. Mais on a fait vraiment une très belle étape avec Vestas et Saxo Nobel un peu derrière, mais qui était toujours au contact et c'était super plaisant. C'est vrai que j'étais étonné de la capacité des bateaux de toujours revenir. Même quand on prenait un petit écart, alors peut-être c'est les conditions météo aussi qui faisaient ça. Mais c'était jamais fini et quelqu'un à 15-20 000 derrière, en quelques heures, on pouvait le retrouver à côté de soi. Et ça pouvait être usant, mais c'était le jeu. Chacun a eu ses bons moments et ses mauvais moments. Et ce qu'il faut, c'est avoir le bon moment à la fin. Ça a été plutôt notre cas, donc tant mieux. L'équipe très forte, elle maîtrise très très bien le bateau. Les manœuvres sont vraiment fluides et même dans les conditions difficiles, ils vont tous au charbon. Et tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire. Au début, je regardais un peu loin, je ne mettais pas les mains où il ne fallait pas en fait. Et à la fin, je commençais à aider. Mais c'est vrai que les manœuvres sur ces bateaux, comme tous les bateaux, c'est assez spécifique. Et ça se voit que c'est un équipage extrêmement entraîné, qui connaît ses gammes sur ce bateau-là. Et voilà, après tout le jeu, c'est vrai que le bateau est capable évidemment de gagner toutes les manches. Après, le jeu, c'est la tactique, la stratégie. On ne peut jamais rendre une copie parfaite sur une étape aussi longue, donc il faut éviter de faire trop d'erreurs, en faire un peu moins que les autres. Mais dans l'ensemble, à part un passage d'une journée autour d'une île qu'on regrette vraiment, je crois qu'on peut être content de notre route. Il faut comprendre pourquoi on a pris une mauvaise décision à ce moment-là pour ne pas le renouveler par la suite. La réflexion elle était assez riche à bord et c'est toujours difficile de toute façon de faire le choix et ensuite d'aller à fond dedans. Et moi ça m'a plu, ouais, j'ai enfin retrouvé les nuits en mer, les étoiles, je dis non mais c'est vrai, en plus quand on est rentré dans le poteau noir, j'ai dit c'est des trucs à terre on voit pas, et c'est vrai que ça faisait quelques années, ça faisait 5 ans que j'avais pas vraiment fait de course au large, je suis un tour de France à la voile. Donc c'est vrai que c'est une ambiance qui est particulière et qui est assez enthousiasmante, et c'est quand même une autre vie quand on est sur ce bateau, sur les bateaux au large. Et voilà, ça fait plaisir de retrouver ce goût-là. Au milieu de la course, je crois pas. Donc non, ce qu'il faut, c'est continuer à rester dans le podium à chaque manche et éviter des mauvaises manches. Ma frère en a fait une ici. C'est difficile de jamais en faire, mais si Dongfeng n'en fait pas une mauvaise jusqu'à la fin, il reste troisième, même s'il ne gagne pas toutes les manches, c'est pas très grave. Après, c'est bien d'en gagner, c'est pour le plaisir, et puis surtout que l'équipage est vraiment capable. Yes, it's a very good news. I think it's very important for the Asian sailing. So very happy about these results. Of course, we won right first here. When we arrived first in Sanya, it was amazing for our sponsor.
but it's a good place for the general overall, and it's a good news for us. And we are coming back on Mapfre, taking point. So I think it's a very good leg, because as you have seen, this leg was quite complicated, and even if we have sailed very well, I think. But you were never in the doll room, they were really a nightmare. The doll room is a space where with no wind, and you don't know what's going to happen. And Scallywag was last catch one or two cloud and takes the lead like that. And so you are always afraid that you stay on the back with the cloud. So I think it's good. It was a very dangerous leg for the overall. Well, that's not the youth skipper, it's the person which Frank is, of course. And he's a very good sailor, it's very dynamic. No, but it was very positive, I think, because he arrived, he didn't know the boat. He has a lot of new ideas, as usually, and I think it was very rich for us. And he did a good job on the navigation. As you have seen, we were leading the race before the door room. So, no, it was quite nice, and I think very good. And I realize also that we are all exhausted. Start, we didn't never stop. And I think at the end it was good to have fresh people. Like we also have Justine on board to replace Marie. She did an amazing jump. She was full of energy, made motivate. And we can feel that the people who have done all the leg are already tired. And so it's good to have fresh people. And what is good, it's no Pascal is coming back and he's fresh. So it's good. And the result is good. So of course, when Pascal was injury, I was a bit worried because it's a key person on board, and you always have a bad result because of that. And Frank did a good job, and now Pascal is coming back, and he has a good break, so it will be important, I think, for the next legs. Yes, he's a very proud. I'm so surprised. I didn't know so many people waiting in the pontoon to see us arriving, and also it is. This is a very exciting to represent the Dongfeng to sell this leg program to the Hong Kong. And also the Hong Kong is quite a special memory for me, because I could remember in 2011, I'm here to meet my mentor from Hong Kong, Tim Jellick. The Mr. Frank Pong is him to let me have a chance to learn the sailing skill and sailing experience, and also to know how can be a good sailor, professional sailor. That's why I'm here today. And also I want to thank the other six competitors. It's him to give us the pressure to let us improve every day. And I want to thank my crew. And we have a very nice memory for this leg. For sure, this leg is very, very difficult for us, for everyone. It's a very, very hardest one than you can imagine. And also, I think lots of sailors have the skin problem, and also the equator, the doldrum is no wind. I think it's a big chance for all the team, the navigator. And we didn't win this leg, but I believe next one we do better. And the end, I graduation the Scallyway win this leg, and hope they keep going good and do better at the end. Thanks. I want to thanks the friend and Justin to join us in this leg, and they're also very, very good and the professional sailor. I've learned so a lot from them, and hope everyone can enjoy the leg Hong Kong. Yeah, it's a good result. It's a bit of a strange leg, you know, the last 100, or not even 100 miles, you know, the 40 miles coming in here, obviously a bit of a accident with Vestas, and you know, allowed us to get into second place. It's yacht racing, it's not over until it's over, and you know, we'll take the second place. No, you have to be. I mean, sure, it's nice to win legs. You get I got the bonus point this time and everything, but consistency is the key. And you know, I think in the last Volvo, we won only two legs. So yeah, it's a consistent game. You don't win the regatta in the first few. It's about being just nice and level, and as you say, consistent all the way through. Yes, I think obviously Vestas deserve to be second. It's a very unfortunate situation. At the same time, I think it's a leg with many stories. It's unbelievable. We have Scallywag finishing first, coming into Hong Kong, being in Hong Kong entry.
So that's something amazing, a touch surprising, but great for them. So congrats to